Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien, je suis Franck Payen, je vais être avec vous pendant une petite heure un peu plus. Et durant cette heure on va parler de Photoshop évidemment. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois sur la chaîne YouTube Adobe France ou sur Beyonds.net slash live slash fr, je vous fais un petit résumé de ce qu'on fait d'habitude ici. Euh, tous les jours, de, à partir de 14h, on reçoit des invités. Lundi, Pauline recevait Jessica Das pour parler illustration, illustration. Découpage à l'intérieur de Photoshop. Mercredi à 14h, j'étais avec mine de Origamine qui nous fait des super illustrations vectorielles pour notamment du fan art de, de manga, d'animé et autres. Et on a enchaîné à 16h avec Kyle Webster. Kyle Webster, c'est le créateur de vos brosses dans Photoshop, dans Fresco, que vous pouvez utiliser pour tous vos toutes vos problématiques et vos besoins. En termes d'illustration, demain je reçois Stéphane Baril qui sera avec nous pour une session sur la charte graphique dynamique, donc euh, l'idée de pouvoir travailler en graphisme entre vos différentes applications Creative Cloud, que ce soit du print, du web ou de la vidéo. Et aujourd'hui, eh je vais vous parler des choses simples dans Photoshop. Pourquoi les choses simples Eh bien parce que euh, très régulièrement on parle de Photoshop au sujet de la photo, par exemple, on parle beaucoup de Photoshop au sujet de l'illustration. Mais j'ai pas pris depuis un certain temps le temps de faire avec vous le tour de ce qu'on peut faire justement très simplement avec Photoshop en termes de graphisme, en termes de recherche. Alors on va essayer de faire des choses qui sont euh, les plus clean possibles, les plus cohérentes, mais aussi qui sont, j'espère, je à la portée des uns et des autres. Donc pour certains, il y aura un petit aspect euh, il y aura un petit aspect euh, sujet déjà abordé avec vous, mais euh, j'espère que vous pourrez en profiter euh, et que vous aurez autant de plaisir à le faire que moi j'ai eu à le développer. Donc premier truc, je vous partage mon écran. Et euh, voilà, si vous avez les choses simples en tête, vous avez un petit moulin, un petit jeu d'enfant, et normalement vous sifflotez une petite musique de pub d'il y a bien longtemps. Et euh, je, vais commencer la, je vais commencer la session avec vous toujours sur le Creative Cloud, non pas sur les mises à jour, même si elles sont toutes là. Vous voyez qu'on a, a accès à énormément d'applications en bêta sur lesquelles on peut travailler, mais euh, on va regarder sur toutes les applications. D'abord, un petit truc euh, que je voulais vous redonner au niveau de Photoshop et au niveau du Creative Cloud en général, vous savez... Que vous avez accès à des fichiers pour pouvoir travailler à vos fichiers à vos enregistrements donc là ce sont mes derniers travaux mes derniers boulots et quand on travaille sur des boulots de d'échelle de, de taille différente, avec énormément de contenu en ligne énormément de calques alors là je vais volontairement prendre ce fichier là puisque c'est un fichier euh, un fichier fresco un fichier psdc il a été enregistré dans le Creative Cloud et il a été travaillé en direct, ça correspond au Jovi Senior Style qu avait, euh, qui a été fait par euh, Clémentine et Camille, et eh bien euh, lorsque vous allez sur ces fichiers, vous verrez que vous pouvez ouvrir les fichiers. Et ouvrir les fichiers ça veut dire soit ouvrir à l'intérieur de Photoshop directement et du coup dans Photoshop pouvoir disposer des calques de travail, des calques de pixels, etc. Les dessins, les teintes de saturation, tout ce que vous avez mis en place. Mais petit détail qui va qui fait toujours du bien quand on est sur ce genre d'image, et eh bien c'est que je peux, euh, je peux voir ici, à l'intérieur de mon Creative Cloud, le l'accès donc à mon fichier et l'accès à mon fichier en fait je vais, y aller, je vais y avoir accès sous deux formes ici donc je vais pouvoir lui demander de le de, de, de commenter dessus donc ça va me permettre éventuellement de partager un lien vers ce fichier et de pouvoir recevoir des commentaires de mes clients ici en, en utilisant le, la touche partager je pourrais le télécharger parce qu'il est dans le creative cloud pour l'instant et le récupérer mais je pourrais aussi tout simplement donc l'ouvrir sur mon bureau et ce, qui, ce que moi je trouve un petit peu plus amusant pour vous en, en tout cas, à, à moyen terme, en, en termes de travail, c'est que ce fichier Creative Cloud, eh bien, j'y ai accès aussi sur le site web Adobe. Et le site web Adobe, en fait, vous le retrouverez alors. Je pourrais vous l'ouvrir ici, mais on va, je vais vous montrer comment j'y accède facilement depuis le Creative Cloud. Quand vous êtes sur votre Creative Cloud, vous avez ici euh, Stock, Portfolio, Beyonds, etc. Vous avez pas mal de, de petits liens. Et quand vous allez sur Fichier, vous allez pouvoir voir les dossiers d'organisation et vous avez pas mal de petits, euh, de petits éléments ici on a déplacé vert pour un fichier on a un petit peu plus, euh, plus d'informations et notamment sur ce fichier là je peux l'afficher sur le web et donc afficher sur le web eh bien il va me lancer une page qui s'appelle assets .adobe.com, donc à 7 ce sont les éléments tout simplement, et là vous allez reconnaître la mise en forme puisque c'est celle que je vous ai montrée il y a quelques secondes. Donc j'étais dans mon appli Creative Cloud, hein, je suis bien dans l'appli qui est installée sur le bureau, et là je viens de passer en un seul clic sur le navigateur. Et qui dit navigateur dit que je suis connecté sur mon image et dit que je vais pouvoir retravailler un petit peu dessus. Retravailler sur une image de dans mon navigateur, on retrouve évidemment la problématique de laisser des commentaires sur le Draw This in Your Style. Par exemple, je pourrais tout à fait dire hop un petit commentaire sur l'œil, hop Draw This in Your Style Adobe FR. Voilà, ça c'était le hashtag. Et si vous n'aviez pas encore travaillé, vous allez pouvoir le faire. Il faudra le, il faudra pratiquer plus tard. Ce que je vais avoir, euh, pouvoir voir c'est les informations sur ce fichier, et ce que je verrai en dernier, c'est ce qu'ils appellent le montage, pour moi c'est l'historique réellement du fichier, les différentes versions. Et du coup je vais voir donc, la première version du fichier, première version enregistrée, deuxième version avec peut-être un petit peu plus de travail, voilà, alors je vais voir si la première version il avait fini de le charger, ou s'il a sauvegardé juste un fichier vierge, ce qui est possible, un peu plus de travail. On peaufine et on avance encore sur l'image, et on peut revenir sur la dernière dernière version. Et éventuellement, ici, je n'en ai pas encore, j'ai pas de version marquée, mais si j'avais beaucoup aimé cette version-là du travail, eh bien je pourrais lui dire, ok, celle-ci, je la conserve. Euh, je vais l'appeler euh, esquisse. Et en conservant cette version, elle est présente ici, parce que sinon mes anciennes versions disparaissent au bout de 30 jours. Je n'ai plus d'écran. Oups, tiens, tiens, ça clignote. Euh, ok, reviens petit écran. On va essayer de l'aider. J'ai commencé à voir que ça clignotait, c'était très étrange. Il n'y avait aucune raison pour ça. Et donc, euh, donc alors, est-ce que je vais juste vérifier avec vous pour pas vous dire de bêtises sur le moment où ça a sauté Tac. Voilà, on était sur les versions. Ça a commencé à clignoter sur les versions, ça va, on a perdu qu'une quinzaine de secondes. Donc, euh, donc ouais, je vais pouvoir nommer et enregistrer une version en particulier, et en nommant enregistrant cette version-là, eh ça me permettra d'y revenir à plus long terme, parce que bah, comme il nous le précise, hein, les versions expirent au bout de 30 jours, donc celles que je souhaite conserver. Pour des exemples, pour revenir dessus, seront, euh, il sera plus pertinent pour moi de prendre vraiment la toute euh, de, de, de marquer en fait des étapes de mon travail. L'autre point qui sera utile aussi pour vous, c'est que je vais pouvoir lui demander toujours depuis le navigateur, dans les trois petits points ici, de rétablir cette version, donc de revenir à cette version là, euh, pour pouvoir retravailler dessus. Ça vous va ça euh, ce n'est pas, euh, pas forcément une grosse nouveauté pour vous, mais en termes de travail de version d'application, de, moi je trouve ça assez pertinent. Ensuite, je vais pouvoir lui demander d'ouvrir dans. Et ouvrir dans, je vais pouvoir choisir deux options. La première, c'est Photoshop, c'est ce qu'il a fait quand j'étais dans le Creative Cloud. La deuxième, c'est Photoshop sur le web en bêta. Photoshop sur le web en bêta, ça veut dire que vous allez pouvoir travailler directement dans votre navigateur. C'était quelque chose qui nous avait été beaucoup demandé par les utilisateurs. On a essayé de trouver une bonne solution pour ça. Et euh, ce Photoshop pour le web, il va être assez proche des versions sur lesquelles on a pu travailler sur iPad, par exemple. Donc, vous allez retrouver au premier, en, dans un premier temps l'image qui se charge, puis une fois que mon image est chargée, je vais voir apparaître au fur et à mesure les différents calques. Je vais pouvoir lui demander de voir ou non les commentaires, et je vais retrouver tous les calques de pixels qui ont servi à réaliser mon illustration. Je pourrais à partir de là eh bien, travailler en affichant, masquant différents éléments. Par exemple, je trouve qu'elle a besoin de cligner de l'œil, et pouf! Je peux lui faire cligner de l'œil ici en affichant masque en mon calque. Je peux rajouter des éléments que j'avais euh, peut-être masqués, peut-être euh, cachés en fonction, de mes... en fonction de mes besoins, en fonction de mes recherches. Ici, je me dis, bah, tiens, ce calque-là, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il n'est pas intéressant, pourquoi pas. Et j'ai accès dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai bien un masque décrétage sur mon calque. Donc, tout dépend du premier calque ici. Ce premier calque qui est un calque de teinte et saturation. Sous-entendu, je vais pouvoir régler la teinte directement dans mon Photoshop. Ça, vous avez l'habitude, je suppose, de le, de le faire vous-même. Là, dites-vous que vous avez un Photoshop directement dans le navigateur et que c'est quelque chose qui va nous faire, euh, je l'espère, gagner du temps. Je dis que ce sont des choses simples aujourd'hui parce que euh, pour moi, c'est des petits outils des petits outils qui simplifient vraiment Photoshop. Pour moi, Photoshop, c'est un outil, ce qu'on appelle de workflow, de flux de production. Et aujourd'hui, avec, euh, avec cette version sur le web, on a évidemment, comme toutes les applis en bêta, on n'a pas forcément toutes les fonctions sous la main, mais regardez, ici j'ai mes... mon... mon Photoshop, j'ai mes panneaux de propriétés sur les calques, euh, des dimensions, des apparences, des, euh, des modes de fusion d'un calque ou d'un autre. Je retrouve mes outils habituels, par exemple la sélection automatique du calque, l'affichage des commandes de transformation. Si je sélectionne un calque, par exemple, on va prendre les... On va aller cliquer sur différents calques, sélection automatique des calques, voilà. Donc là il me trouve des calques mais ils sont tous très grands, ce sont des grands calques de dessin. Et du coup, ben, quand je suis sur un calque en particulier, je peux lui demander d'afficher la sélection automatique et il va me montrer où se situent mes calques. C'est vraiment du... du très classique. Si vous êtes un habitué de Photoshop, vous n'allez pas être surpris. Par contre, pour les, pour les nouveaux, euh, je pense que ça devrait vous permettre d'accéder plus facilement à l'application. Delphine me demande si c'est un live sur Fresco. Non du tout, du tout. Euh, live sur Fresco. Je pense qu'on va les faire, on va continuer de les faire avec euh, Kyle euh, très prochainement. On continue. Alors lui est plutôt sur la partie brosse, sur la partie peinture. Moi j'ai tendance à l'utiliser en ce moment sur de l'animation, mais je vous ferai une session euh, dédiée, euh, dédiée à la partie Fresco. Là j'ai juste ouvert ce fichier là parce que c'était pour moi un exemple de fichier avec énormément de calques euh, et qui est aussi disponible que je peux travailler. Euh, en fonction de mes, de mes besoins. Je, on, on voit d'ailleurs dedans que j'ai les propriétés, que j'ai moyen de rajouter des masques de fusion, que j'ai moyen de rajouter des calques de réglage, les mêmes calques de réglage que ceux qui seront disponibles sur, le, sur votre application de bureau. Donc il y a vraiment pas mal de, pas mal de possibilités. Du coup, d'ailleurs, petite question, comment est-ce que vous vous sentez, vous Comment vous vous évaluez au niveau de, de Photoshop Est-ce que pour vous, c'est une application que vous connaissez sur le bout des ongles genre 100% ou est-ce que bon bah vous avez peut-être euh, vous avez sûrement entendu son nom et vous vous en servez un petit peu mais c'est pas votre application préfé préférée ou principale dites-moi entre 0 et 100% comme ça je j'ajuste un petit peu un tout petit peu euh, Clément me demande comment je retravaille un pinceau vectoriel fresco dans Photoshop. Alors évidemment sur ce dessin là je retravaille pas de pinceau vectoriel de fresco parce que j'en ai pas. Mais euh, hop, je vais vous montrer vite fait, juste pour le principe du pinceau vecto. Qu'est-ce que j'ai fait de correct récemment et utilisable en pinceau vectoriel? Euh, check, on va aller là-dessus. Est-ce euh, que c'était du vecteur ça ça oui. Ça, c'était du vecteur. C'était un petit gif animé réalisé dans réalisé dans dans Fresco justement. Alors, je vais aller le chercher hop, du côté PSD directement dans l'application. Je peux aller chercher dans mes fichiers. Donc autre manière, là je suis rentré dans l'écran noir de Photoshop, autre manière d'aller chercher les fichiers directement depuis le menu euh, vos fichiers de votre application. Et donc les fichiers sur lesquels vous avez travaillé, les fichiers qui sont partagés, ben, vous allez pouvoir les, les retrouver ici. Là il me dit qu'il y a une petite vidéo à laquelle je n'ai pas accès. Tac, hein, donc c'est pas celle-ci qu'on va utiliser. Est-ce que celle-ci sera mieux non, là c'est encore du calque d'anime. Et on va gratter un tout petit peu plus pour trouver du calque vectoriel facilement et surtout sans animation. Parce que. Parce que, parce que bon, j'ai plutôt tendance à faire de l'anime pour le coup. Et là on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... beaucoup de pixels. Tiens, lui le tigre, mais pas le tigre anime. Est-ce que j'ai le tigre pas anime Voilà. Hop. Donc je commence à voir vos réponses de vos réponses au petit sondage 0,90, 0.60, 85, 100%. 100% c'est impossible, pardon, mais 75%. Bon, certes. Euh, on va essayer de se rapprocher de 100% au fil des sessions Delphine. Je vous promets rien, mais bon. Euh, et pour répondre à la question donc de, de Clément qui me disait comment retravailler un pinceau vectoriel dans Photoshop, hein, eh bien si vous regardez les calques vectoriels que j'ai réalisés dans Fresco, donc ici c'était pour une illustration que vous aviez vu passer en début d'année du tigre, euh, à chaque fois que je vais avoir un calque vectoriel, en réalité euh, Fresco va me fabriquer, un, va me traduire ça dans Photoshop en temps calque que vectoriel et un calque vectoriel je vais double cliquer dessus et en double cliquant dessus je vais retrouver en fait ma forme et je vais retrouver directement dans illustrator mes tracés on retrouvera d'ailleurs les petits les petites caractéristiques du pinceau à l'intérieur de Fresco c'est que justement ici je suis sur de la de la forme composite avec euh, avec uniquement calque à calque tout ce qui a été tracé dans Photoshop. Maintenant si je l'avais souhaité, j'aurais pu reprendre ce contenu là et directement depuis euh, depuis Fresco lui demander d'ouvrir mon fichier euh, mon fichier Illustrator dans dans Illustrator Yves me dit, n'y a-t-il pas de risque à modifier un calque qui lui ne sera plus reconnu sur Fresco par exemple alors il y a des risques évidemment mais euh, est-ce que ces risques sont bons à prendre ou pas ça c'est vraiment à vous de choisir le... c'est vraiment à vous de choisir quel, quel type de contenu alors, euh, Béa essaye d'ouvrir il m'envoie sur Mi je ne sais pas qui est Mi, je pense qu'il manque un petit morceau dans votre phrase on va doucement <laughs> et on va on va démarrer tranquillement donc euh, donc voilà l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler sur nos fichiers de pouvoir voir des versions de pouvoir avoir accès sur mon navigateur ici je suis vraiment sur mon propre navigateur pour travailler donc j'ai un photoshop hein, on, on le voir, on a la petite icône de photoshop en bêta et euh, cette cette action là va pouvoir nous va nous permettre de de modifier tout ça. Yves me fait une remarque fort judicieuse. Et si on n'a pas Illustrator, et ben on peut pas. Hmm. C'est un calque vectoriel. Est-ce que je peux faire quelque chose avec Est-ce que je peux le convertir en objet dynamique Est-ce que je peux le transformer Est-ce que je peux le pixeliser éventuellement Je peux le convertir en calque ici. Convertir en calque. Qui va me dire que Est-ce qu'il sait le faire Cela, il saura pas le faire forcément. Tiens, c'est une bonne question. S'il n'y en a pas Illustrator. Eh bien je garde la question pour plus tard, euh, Yves, parce que pour le coup j'ai pas vraiment de. j'ai pas de réponse. Idéalement, si vous avez travaillé votre contenu sur Fresco, autant continuer sur Fresco. Et si vous voulez réellement faire du vecteur, partez sur Illustrator euh, sur l'application, euh, sur l'application tablette d'Illustrator. Ça, ça me semble le plus, euh, le plus pertinent. Euh, Est-ce que j'ai pas une petite solution ici Donc... Convertir en élément lié. Ouais, donc ça va me justement enregistrer mon fichier SVG dessus. Hop. Ok. Ça va me compliquer la vie plus tard, mais c'est pas forcément très grave. Je vais d'ailleurs le dupliquer avant de le faire. Non. Alors pour l'instant il n'a pas l'air d'accord. Euh... Et modifier le contenu il va forcément m'ouvrir le contenu à l'intérieur d'illustrator. Donc pour l'instant je n'ai pas de solution. Ah bien me dit il m'ouvre Microsoft Store et je dois le télécharger. Alors si on part d'un fichier, il va me falloir plus d'infos pour les gens qui sont euh, qui ont des questions précises sur l'application. Euh, vous avez un problème particulier et quelque chose que je vais pas forcément réussir à, à modifier pendant le pendant le direct. Je vous propose tout simplement d'aller sur le Discord et de reposer votre question sur le Discord. Ce sera peut-être le plus simple. Euh, Béa, je vous mets l'URL du Discord. C'est l'endroit où on va pouvoir retrouver tout ça. Yves me dit avant de passer d'une application à une autre, il faut bien connaître toutes ces subtilités de format de calque. Ouais, mais c'est vrai que moi, ayant le Creative Cloud complet, je me suis pas forcément posé la question. D'ailleurs, euh, je profite d'avoir Yves sous la main. Euh, vous savez donc que je vous fais régulièrement l'apologie de fresco que j'utilise au quotidien pour mon travail, pour mes illustrations, etc. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que depuis une petite semaine et demie, Semaine et demie on a accès à fresco pour 10 euros par an euh, ce qui n'était pas le cas auparavant on était sur un abonnement beaucoup plus euh, beaucoup plus cher beaucoup plus complexe à, à gérer et euh, ça se trouve alors je vais vous faire le petit le petit partage qui va bien là dessus j'avais dit à Delphine qu'on n'allait pas faire de fresco ou pas vraiment et puis finalement je vais quand même vous le montrer pour ceux qui auraient des, des besoins spécifiques Tac. Et du coup, je vais lui demander donc, sur, euh, sur Fresco, en fait, de version iPad. Je vais retrouver d'ailleurs, vous remarquerez, les mêmes fichiers que ce que j'avais de l'autre côté. Et euh, quand vous allez chercher à travailler sur votre fresco, soit vous avez un abonnement Creative Cloud classique, donc vous avez un compte, vous êtes abonné, etc. Vous pouvez gérer votre abonnement. Soit vous avez tout simplement téléchargé fresco depuis l'App depuis Store et euh, vous allez le voir. Alors c'est un petit peu subtil et heureusement que Yves m'a aidé là-dessus. Euh, hop plus tard pour les notifications. Si vous cherchez Adobe Fresco, vous allez avoir l'application qui est disponible. Alors chez moi elle est installée, ce sera évidemment pas exactement la même chose chez vous si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez lui demander de l'ouvrir. Et la petite, euh, la petite subtilité en fait elle se trouve. Euh, Lorsqu'on regarde les achats intégrés qui sont... Où êtes-vous petits achats intégrés? Tac tac tac, copyright, compatibilité, ah oui, achat intégré, oui. En fait, on a plusieurs tarifs sur Fresco et ça a été précisé ce qui n'était pas le cas la dernière fois qu'on avait euh, que j'avais regardé euh, sur ce sujet là donc on va avoir un abonnement Fresco et euh, Fresco tout seul pour un an pour 10,99 euros donc ça c'est plutôt cool et non seulement c'est cool mais euh, vous pourrez y avoir accès uniquement par ce par ce lien là et ce qui va être intéressant pour vous en fait c'est que ça vous donne en plus avec l'achat intégré vous aurez accès au stockage du Creative Cloud, vous aurez accès à toutes les polices Creative Cloud qui sont disponibles, vous aurez accès à toutes ces petites choses qui vont bien et qui nous aident euh, et qui nous aident au quotidien pour le, pour le travail. Donc voilà, c'était un peu le petit point que je voulais voir avec vous sur Fresco. Maintenant on va retourner sur Photoshop, on a des petites choses simples à faire. Oop. sur Photoshop. Dans, parmi les, petites, les, petits, les petits points qui peuvent être intéressants pour vous et que j'aime bien, euh, bien gérer avec vous tranquillement, la dernière fois donc on est parti chercher des images qui étaient disponibles sur mon Lightroom. Donc ça c'est quelque chose de, de simple, dès que vous prenez des photos avec votre boîtier, avec votre smartphone, vous allez retrouver l'ensemble de ces, de ces images, et ces photos vous allez pouvoir retravailler dessus. Maintenant je sais que quand on prend des photos, on a parfois des petites retouches à faire. Alors, ici elles ont pas été euh, elles n'ont volontairement pas été développées ce qui arrive beaucoup avec les photos prises sur le vif et euh, quand je vais lui demander de charger la photo il me charge le fichier d'origine et si on a de la chance si vous avez plus de chance que moi il vous chargera aussi le développement caméra raw qui va bien avec Alors, remarque judicieuse de laurent qui me dit pour avoir eu parfois des soucis de conflit entre Photoshop et Fresco, je fais plus attention, j'utilise de plus en plus des éléments que je mets dans la bibliothèque. Ouais, tout à fait. Il me dit que c'est moins cher en Suisse, tant mieux, c'est peut-être une question de TVA, effectivement. Donc, premier truc, quand vous ouvrez des photos depuis votre Photoshop, la première chose qui, euh, qui devrait vous frapper c'est qu'on n'est pas directement dans l'interface de Photoshop on n'y est pas encore on y est presque on est dans l'interface de Camera Raw pour le traitement des photos et du coup on a accès à tout un tas d'éléments comme par exemple ici je clique sur le bouton Auto qui va me permettre de voir directement tout ce que j'ai euh euh, sur ma photo, il va essayer de retravailler la dynamique de mon image. On était sur un couche coucher de soleil, on était extrêmement sombre, et là soudain, juste d'un clic, on va retrouver euh, tout le, toute l'image. Je vais avoir accès, depuis ce, depuis ce panneau-là, à des réglages aussi sur la géométrie. Et les réglages de la géométrie, c'est par exemple tout simplement demander à redresser l'image un tout petit peu. Et là, Photoshop va faire tant bien que mal en fonction de ce, que, ce à quoi j'ai. Hein. Euh, la manière dont j'ai travaillé dessus, et je vais retrouver par exemple les options de transformation manuelle. Donc ici, par exemple, je pourrais déformer ma photo dans un sens ou dans l'autre. Et quand je lui demande de faire ça, je peux lui demander de contraindre le recadrage directement, ce qui fait que si je, si en tournant ma photo pour la redresser, et eh bien je faisais apparaître de la matière, euh, des endroits qui sont vides, et eh bien Photoshop compenserait ce genre de choses. Comment ouvrir Camera Raw dans Photoshop? bonne question Thierry. Alors on va revenir une deux trois versions en arrière. J'ai juste mon automatique que j'aime bien dessus. Je peux encore affiner des tas de choses mais je vous avais promis une enfin je vous avais pas promis mais je vous avais annoncé une session pas forcément photo. Donc on va travailler là dessus. Je remets un petit peu plus de lumière juste histoire de mieux voir les brindilles, les feuilles, les branches, les... toute la pelouse et toutes les tout ce, tout ce foin pas encore coupé, et euh, je vais pouvoir ouvrir ce fichier. Et là, c'est une astuce donc, que les anciens de Photoshop connaissent bien, mais que vous n'osez peut-être pas utiliser quand vous ne le connaissez pas trop c'est de pouvoir ouvrir la photo, soit telle qu'elle. Donc, je vais ouvrir ma photo et je vais ouvrir les pixels de ma photo. Soit ouvrir une copie de cette photo, donc je vais ouvrir une autre version de cette photo, ce qui fait que je vais avoir le... je vais conserver mon original sans le développement, mais ce qui a de mieux, en tout cas ce que je trouve de plus efficace, c'est d'ouvrir en tant qu'objet, et en réalité en tant qu'objet, d'ailleurs si vous survolez, si vous survolez pardon, le bouton, il vous dit que ça va l'ouvrir en tant qu'objet dynamique. Donc, je vais lui dire OK, ouvrir en tant qu'objet dynamique. Et là, je vais avoir mon Photoshop avec le travail sur les calques. Et qui dit travail des calques dans Photoshop dit que je vais pouvoir, par exemple, choisir un calque de texte et m'en servir, calque outils texte horizontal, pour écrire du texte. Ici, ça sent un petit peu les... la fin de week-end. Hop, fin de week-end. J'ai le droit de ne pas faire de faute. De tirer, Hop. je vais placer mon texte, et euh, donc tout ce que je vous avais dit d'ailleurs, qu'on avait sur le web tout à l'heure, sélection automatique du calque, euh, un petit truc, un petit détail qui a été masqué depuis un certain temps sur Photoshop, c'est que vous pouvez voir ou non les options de transformation. Et si vous ne les voyez pas, il vous suffit de faire le classique commande ou contrôle T pour pouvoir agrandir votre contenu donc je peux l'agrandir de cette manière là sans la touche majuscule parce que si j'utilise la touche majuscule je casse la contrainte de proportionnalité ce qui est toujours enfin ce que moi je trouve toujours gênant sans la touche majuscule je garde les proportions et du coup on est euh, on est un petit peu plus lisible ce que je vais pouvoir faire à partir de là c'est J'appuie sur la touche Entrée, je regarde toujours, je regarde en tout cas régulièrement, les propriétés de mon calque. Et là, je vais voir, justement, eh j'ai accès au réglage de typo, la Aglet Slab. J'ai accès au réglage de graisse. Ici, j'ai une ou deux graisses qui sont disponibles. Il faut que je sois sur le texte en question pour pouvoir voir ce qu'on va, qu va modifier dessus. Hop. Pouvoir le tester directement. Et si je teste mon, ma typo, si je veux tester toutes les variantes de ma typo, je vais les retrouver dans mon panneau de texte. Et ça, pour les nouveaux de Photoshop, pour les nouveaux de Fresco, vous allez retrouver en fait toutes ces petites, euh, tous ces petits éléments-là. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, dans, euh, dans les petits détails qui vont bien, c'est de se dire que ben, parfois on a besoin d'un truc, mais vraiment, euh, vraiment très très basique. On le fait beaucoup en vidéo, on le faisait à l'époque euh, en print, peut-être moins maintenant. Euh, c'est tout simplement fusionner ce texte avec le fond pour lui donner un pour lui donner un petit, un petit aspect, un petit, un, petit côté, un petit côté doux et sympathique. Et donc pour ce faire, je vais tout simplement dupliquer ma photo, donc sélectionner l'image. Là vous allez regarder dans le menu édition, pas dans le menu édition d'ailleurs, je cherchais le commande ou Ctrl J de la duplication, mais je ne le trouve pas ici, je vais le trouver plus facilement commande ou Ctrl J ici, dupliquer le calque, ou peut-être directement sur calque, dupliquer le calque ici, et en dupliquant ce calque, il va me dire, ok, est-ce qu'on le renomme directement, est-ce qu'on le met dans ce document ou dans un nouveau document, et je vais l'appeler ici euh, ciel. Tic. Et je l'appelle ciel parce que du coup j'ai mon calque qui est dispo ici, j'ai mon texte, et je vais faire ce que moi j'appelle un sandwich entre deux, deux couches de photos, une couche de texte, et je vais pouvoir lui demander en fait de masquer en fait juste le, le calque du dessus avec le, le contour du texte. C'est ce qu'on appelle donc, pour les, les nouveaux un masque d'écrétage. Et donc le masque d'écrêtage il se situe ici, Créer un masque d'écrétage commande Alt G et l'autre manière de fonctionner au niveau du calque d'écrétage vous voyez il y a une petite flèche ici si je clique entre mes deux entre mes deux calques et eh bien mon curseur va se transformer et du coup avec la touche Alt avec la touche Alt je vais pouvoir lui dire écrétage ou pas écrétage d'accord et quand j'ai fait ça, je peux encore déplacer soit le texte, ici je bouge le texte directement, commande ou CTRL-T, je bouge mon texte sur l'image, soit je vais déplacer l'image, et en déplaçant l'image, tac, on va se mettre juste dessus, on va aller déplacer l'image, ça va me permettre de faire réapparaître le texte, et du coup d'avoir un petit décalage, de retrouver cet effet miroir du, du fond qu'on pouvait remettre en place comme ça. Donc. Une fois que j'ai fait ça, euh, je vais pouvoir jouer là-dessus. Je vais pouvoir jouer avec les classiques, euh, classiques de Photoshop, les fameux effets. Donc si je vous parle d'effets dans Photoshop, on va refermer un petit peu. Je vais d'ailleurs me remettre dans le même espace de travail que celui que vous allez trouver en démarrant. Ce sera les indispensables. Et euh, là-dessus, je vais lui demander de le réinitialiser parce que moi j'ai tendance à ouvrir des panneaux euh, pour travailler de manière un peu plus efficace, un peu plus à ma manière. Et donc euh, je le mets. En... je le redémarre comme ça, enfin je le réinitialise, pardon, comme ça vous avez exactement le même panneau que moi. Et du coup là-dessus, je peux lui demander, par exemple sur le calque de texte, j'aimerais bien générer une ombre portée. Et quand je génère une ombre portée sous mon calque de texte, j'ai dit sûr alors que pas du tout, je fais bien attention à ajouter, à, à cocher, pardon, la case aperçue. Comme nous sommes ensemble sur YouTube et que du coup on ne voit pas forcément tout, plutôt qu'une ombre portée à 25%, je vais l'exagérer momentanément, à 80%, pardon. Et ce que je vais pouvoir faire, et qui pour le coup est assez nouveau dans Photoshop, euh, ici vous voyez dans le, les styles on a les ombres portées, les emballages, les textures, etc. Mais à côté de certains de ces calques en fait j'ai un petit plus parce que j'ai une ombre portée principale mais je peux lui demander petit plus de créer une deuxième ombre portée. Ce qui fait que je vais avoir une ombre portée de ce calque-ci, une ombre portée de ce calque-là. Et vous voyez que mes ombres portées vont fonctionner ensemble, puisque pour ces ombres, on utilise l'éclairage global. Donc si je tourne directement mon ombre, eh bien je fais tourner l'autre ombre qui utilise le même éclairage. Okay Charles me dit Salut, ah, du Photoshop, c'est cool. Euh, je tiens à te rappeler, Charles, qu'on est sur Photoshop tous les jeudis. Voilà, donc j'attrape mes ombres, je vais attraper la deuxième du dessus, tac. Je vais la mettre derrière. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a deux ombres portées Est-ce que c'est vraiment utile Mais oui, parce que la première, en fait, je lui demandais d'être très près du corps, très moulé, très très proche de, de notre contenu. Et je la mets là et je la mets relativement serrée. Et la deuxième, en fait, elle va être beaucoup plus diffuse. Euh, diffuse, elle peut être plus loin, ce qui n'est pas forcément mon intérêt, elle peut être un peu plus, plus grande, plus éclatée. Et si je regarde la première sans la deuxième, vous voyez qu'on arrive à mieux intégrer encore le texte. C'est du petit détail, c'est des petits trucs que vous connaissez sans doute et que vous utilisez déjà, mais euh, pourquoi pas les remettre en forme, et pourquoi pas les retravailler comme ça pour vos petites vos petites communications simples. Hop. Ok. Et une fois que j'ai fait ça, je vais enfin pouvoir répondre à la question de Thierry qui me disait comment est-ce qu'on ouvre Caméra Raw dans Photoshop Donc, la première réponse, vous l'avez vu, quand j'étais sur le panneau d'accueil de Photoshop, que je retrouve avec la petite maison, la petite homme, et eh bien si je vais chercher des photos Lightroom, Photoshop va forcément m'ouvrir Camera Raw. Quand je retourne dans Photoshop, toujours au même endroit, et si j'ai une photo qui est posée, je peux prendre cette photo comme je l'ai ouverte en tant qu'objet dynamique. C'est pas un calque avec des pixels, c'est vraiment un fichier à part dans le fichier. Si je double clique, eh bien Photoshop va me rouvrir caméra Raw, ce qui va me permettre de faire des modifications. Alors ici, par exemple, on était à 5100. Je peux le mettre beaucoup plus fort. Je lui dis OK et je vais changer mon image. Mais si vous êtes attentif, vous avez aussi remarqué que le texte fin de week-end a lui aussi été modifié parce que en prenant mon objet dynamique, eh bien, j'ai changé à la fois ce, cet élément-là et la copie de cet objet dynamique. Si je reviens dessus, pour maintenant que vous savez euh, où il faut regarder, vous allez voir, ça va être euh, ça va être plus efficace. Si je reviens, euh, si je reviens sur mon calque, je peux double-cliquer dessus. Je peux lui dire, eh bien, en fait, euh, on va revenir à là où on en était avant, c'est-à-dire 5100. C'était très bien. Je lui dis OK et regardez bien, il va bien me changer le calque principal j'ai dit ok ou j'ai pas dit ok je vais dire ok voilà il va bien me changer le calque principal et la copie en calque dynamique maintenant petit, petit truc euh, hop clic droit dessus je peux lui demander de créer un nouvel objet dynamique par copier donc je vais dupliquer un, un des calques je vais prendre peut-être celui-ci et après avoir dupliqué mon, mon calque, vous allez me dire, bah oui, j'ai exactement la même photo. Mais en réalité, non, c'est plus la même photo, parce que si maintenant je modifie le ciel copie, que je lui demande, allez, cette fois-ci, on va se mettre beaucoup plus frais euh, que tout à l'heure, je lui ai demandé de baisser la couleur, et eh bien il ne le change que sur un seul calque, pas sur les autres. Ça, c'est un truc qui est assez pratique, assez efficace, parce que ce que je viens de faire ici, dans la série des petites choses simples dans Photoshop, c'est quelque chose que je vais pouvoir reproduire, y compris pour de l'animation. Je vais pouvoir prendre un élément, déformer un élément, le dupliquer, le remettre, le remettre dans le bon sens. Est-ce que ça vous parle du coup, Thierry C'est bon Là, on a bien vu l'ouverture le... de Camera Raw dans Photoshop. Et. Un dernier point, là je suis parti sur des photos qui étaient déjà des fichiers, euh, des fichiers, euh, des fichiers Creative Cloud euh, Raw. Et du coup je vais vous montrer un autre point. Ici j'ai une photo JPEG que je vais poser sur mon bureau, que j'ai vais poser sur mon, sur mon montage. Et cette photo JPEG en fait j'aimerais bien la travailler. Je lui dis entrer, mon, ma photo est intégrée dedans. Quand je double clique dessus finalement j'ai accès que à la photo et pas à caméra Raw. En réalité, je vais pouvoir lui demander à partir de cette image d'aller dans le menu filtre. Et dans le menu filtre, je vais lui appliquer le filtre caméra row. Et en appliquant le filtre caméra row, eh bien vous allez voir que du coup j'ai tout j'ai accès à tous les réglages qui m'importent pour cette, pour cette image là. Donc je peux lui dire automatique, pouf, je peux lui demander d'enlever de, le, euh, le côté violet parce qu'il ne va pas m'intéresser ici. Hop. On va rééclaircir un petit peu tout ça, on va rééquilibrer. Peut-être un petit peu plus chaud, ici. Voilà. Je vais lui dire OK. Et donc, j'ai modifié, via le filtre caméra RAW, mon image. Et comme je l'ai fait via le filtre caméra RAW, eh bien, ça me fait un réglage qui est dynamique. Je peux l'atténuer, je peux le corriger encore. Je peux revenir dessus si je préférais la version précédente. OK Enfin... Euh, autre chose qui est devenue tellement simple dans Photoshop, je peux lui demander ici d'aller utiliser ce qu'on appelle l'outil de sélection d'objets. W, avant, quand on faisait W, on avait la baguette magique. La baguette magique, c'est le fameux outil sur Photoshop qui est caché ici et qui vous permet en fait de sélectionner une partie des contenus. Donc, si vous faites majuscule W, vous voyez d'abord la sélection rapide. Si vous refaites majuscule W, vous voyez cette fois-ci la fameuse baguette magique qui vous permettra d'attraper des éléments euh, contigus avec des couleurs proches. Donc si je veux attraper des éléments avec des couleurs proches, je pourrais essayer d'attraper mon... le ciel, mais vous voyez qu'il a une très faible tolérance. Donc je pourrais augmenter la tolérance, hop, histoire d'attraper un peu plus du ciel. Mais là, je vais le faire avec le troisième outil, majuscule W, donc la fameuse outil de sélection d'objets. Et quand je passe dans ce mode-là, vous remarquerez que mon curseur, qui était un curseur tout ce qu'il y a de plus normal, eh bien, est devenu un curseur qui va transformer mes objets en bleu. Parce qu'il va me chercher les objets, il sera capable de re recalculer à ma demande, et derrière, il peut m'afficher tous les objets qui sont sélectionnables sur le calque en question. Et donc je vais lui dire, ok, on va attraper ce fichier-là, il me reste, enfin ce, cet objet-là, il ne me reste plus qu'un seul clic à faire. Et une fois que j'ai fait ce clic, je peux soit directement dans Photoshop créer un petit masque. Donc le masque de fusion, on le retrouve ici. Ajouter un masque de fusion. Mais je peux lui demander un nouveau, euh, un nouveau travail de là-dessus qui va être la sélection du sujet. Et ça, c'est pour moi un des trucs simples qu'on peut faire dans Photoshop. Donc vraiment, l'idée, c'était donc, on a d'abord intégré un texte, on a, euh, on a attrapé notre élément, on a posé notre image, on l'a corrigé sur Camera Raw. Et euh, je vous ai dit qu'on allait sélectionner un sujet. Donc là, il a trouvé directement le petit moulin. Mais derrière, on va sélectionner et masquer. C'est pardon, c'était le... Je me suis raté de... de pas très loin. Donc sélectionner un sujet, c'est la première action. J'attrape mon élément et Photoshop a deviné à ma place l'élément principal. Et ensuite, je vais lui dire qu'on va sélectionner et masquer. Et il va nous mettre dans un nouveau menu. Et ce nouveau menu, il me permet de voir, par exemple, par transparence. Transparence, si je le mets à 100%, je vois mon objet complètement détouré. Donc il est vraiment intégré dans le fond. Et ça, c'est quelque chose de pratique. Je peux lui demander aussi... De travailler la sélection en question, parce que par exemple, euh, quand je veux attraper mon, mon image, et eh bien si j'attrape une partie de mon contenu, je vais lui dire bah, ça, tu, tu me le gardes, ça fait partie du ça fait partie du du fond. Je peux lui demander sur une sélection particulière. Alors est-ce que je vais retrouver ma sélection à moi? Hop. Euh, je peux lui demander d'aller chercher par exemple juste une des pales du, du moulin. Alors peut-être pas. Peut-être qu'il va trouver que c'est un seul objet et que ça va aussi avec mes demandes bizarres. Mais euh, je peux lui demander d'améliorer cette sélection. C'est-à-dire que si j'ai besoin de peindre les éléments que je vais vouloir rajouter ou enlever, je peux lui dire ici on, va, on a peint. Et avec la touche Alt, je vais pouvoir passer en mode négatif et je vais pouvoir faire disparaître les objets. Ok Ouais. Oui, 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 parfait. Donc, j'ai fait ma sélection d'objets, ma sélection de sujets. J'augmente la transparence juste pour le voir et juste pour vous montrer que du coup, on est pas mal intégré du tout là-dessus. Et quand je descends, donc j'ai plusieurs petites options. J'ai des options sur l'amélioration de ce masque. Est-ce que mon masque est suffisamment net ou est-ce qu'il mériterait d'être très flou Donc ici, je peux augmenter le flou sur mon masque. Et une fois que j'ai augmenté le flou, en général, personnellement, j'ai tendance à augmenter le contraste pour pouvoir avoir un contour net malgré tout et qui soit bien lissé. Alors ici, c'est pas intéressant parce que on a le... on a pas mal le bleu du ciel qui est dans les coins. Par contre, en ayant augmenté le contour progressif d'une certaine valeur et le contraste d'une valeur proche eh bien, je me permets aussi de découvrir le décalage du contour et donc je vais pouvoir lui dire rentre à l'intérieur de ton objet pour pouvoir faire une sélection particulière ok perso, je vais remettre les curseurs à leur place, contour progressif 0, contraste 0, je ferai du, du réglage moi-même et je peux lui demander un dernier petit truc qui va pas être simple, mais je vais lui demander de décontaminer les couleurs. Et décontaminer les couleurs, c'est quelque chose qu'on utilise plutôt pour les cheveux. Et donc pour les cheveux, je vais lui dire qu'on a beaucoup de contenu et qu'il va nous faire un petit masque là-dessus. Ok. Donc me voilà avec mon image de départ, avec mon image bleutée, on est toujours sur la partie graphisme, donc on peut se permettre d'intégrer des éléments, avec mon outil de sélection qui va me permettre de déplacer le contenu, et puis j'ai profité du petit moulin pour pouvoir le travailler là-dessus. Ce qui sera intéressant aussi, c'est que euh, sur ce, cette petite image, vu qu'elle fait partie d'un fichier tout simple, pour l'instant c'est encore un fichier tout bête. Je vous montre une petite astuce, parce que... Habituellement, si je fais un clic droit sur mon image pour la convertir en objet dynamique, en fait Photoshop va recadrer l'image ici. Il va considérer que le masque qu'on a réalisé juste avant fait partie intégrante de, de ce fichier là. Alors pour aujourd'hui, c'est le cas, mais ça pourrait être un problème. Et donc ce que je vais lui demander là-dessus, je vais annuler la, précédente, la dernière opération. Je peux lui demander d'attraper le masque et en ayant pris ce masque, je vais le glisser sur le calque du dessous. Et du coup, j'aurai un calque masqué, j'aurai cet élément là. Mais cet élément là, clic droit sur le, non pas sur l'image, mais bien sur le texte en dessous, et je vais lui demander de le convertir en objet dynamique. Et je vais lui demander de remettre le petit masque qu'on avait dessus. Voilà, donc ça, ça fonctionne directement. Et en tant qu'objet dynamique, et eh bien maintenant, je peux lui appliquer le filtre caméra Raw. Et je peux lui dire, bah en fait, sur cette image là, j'aurais bien aimé qu'on retravaille automatiquement les couleurs. Alors, je trouve que l'exposition le, n'est pas terrible. Double clic pour retrouver une bonne expo. Je vais lui demander d'éclaircir de, peut-être un petit peu l'ensemble de la photo. Je trouve que ça mériterait. Euh, je pourrais lui demander de retravailler. Alors, des tons clairs, je ne vais pas en avoir du tout à l'endroit qui m'intéresse. Par contre, les tons foncés, je peux choisir si mes noirs vont être cramés ou au contraire, enfin enterrés en tout cas, ou au contraire si tout, tout cela pardon, va, rester, euh, va rester très vif. Je lui dit ok, on est parti dessus, on a moyen de faire plein de petites choses, on en avait parlé ensemble sur l'intégration, alors pas la semaine dernière, mais il y a trois semaines, Hop, je vous emmène sur la chaîne YouTube Adobe France, et il y a quelques semaines on avait fait, c'était il y a 13 jours, il y a deux semaines, on avait fait une session sur le bokeh, le flou, le tilt shift. Donc le, les fameux... Euh, fameux euh, bascule et décentrement, pardon. Et là on était vraiment photo photo à 100%. On avait fait très peu de choses. Hop, on va couper le son. J'ai pas besoin de son. Voilà. On va couper le son et euh, vous voyez que dessus on était allé regarder pas mal de petits effets. On avait regardé du caméra RO aussi, on avait regardé les intégrations, les incrustations de grains. Donc ça si vous en avez besoin n'hésitez pas. Euh, C'est dispo, on a commencé déjà à défricher un petit peu le terrain. On va continuer au fil des sessions pour que ce soit pratique et utile pour vous. Donc une fois que j'ai fait ça... Euh, j'ai mon filtre caméra RAW que je peux activer et désactiver, et en plus, et ça c'est un truc que j'aime bien, parce que c'est pas forcément très connu, ici j'ai les, les, les petits réglages de curseur sur le côté, qui vont me permettre de choisir comment ce filtre va être appliqué. Et par défaut, le filtre caméra RAW, il est appliqué en mode normal, Hop, on va regarder notre image ici, et en mode normal, donc il est posé sur l'image. Mais je peux lui dire que le filtre, Va être en mode obscurcir sur l'image, ou au contraire en mode éclaircir, ou euh, tester le mode d'incrustation, qui me permettra d'avoir plus clair là où c'est déjà clair, plus foncé là où c'est déjà plus foncé. Okay Donc ça nous donne euh, des résultats qui peuvent être hyper variables, euh, et sur lesquels on va pouvoir travailler, sur lesquels on va pouvoir se baser. Moi j'aurais tendance à éclaircir plutôt qu'autre chose, euh, mais parfois juste un, une incrustation de base, c'est suffisant. A vous de voir ce qui correspond le mieux. Et si vous trouvez que le calque sur lequel vous bossez est finalement trop visible, vous pouvez baisser son opacité et on va retrouver une mise en forme, une couleur plus correcte. L'autre point là-dedans, c'est que si j'ai besoin de faire des déformations de mon objet, eh bien édition, transformation, que ce soit la transformation manuelle, très classique, hein, transformation manuelle, euh, ça va être tout simplement tourner autour de cet objet, et faire des choses, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Aujourd'hui on est sur des choses simples, ce que je vais faire dans un premier temps, et ça pareil, hein, toujours pour la, la simplicité de la chose, je vais pouvoir lui demander de prendre le centre de ma transformation et le caler au centre de mon objet parce que si je cale le centre de masse transformation au centre de mon objet, par la suite quand j'attrape un coin pour tourner le contenu, eh bien il va évidemment tourner au bon endroit. OK. J'irai jamais suffisamment vite pour vous faire du blanc ou du gris à partir de l'ensemble des couleurs mais je pense que vous avez compris. L'autre truc c'est que cette déformation, eh bien je peux aller plus loin, je peux lui demander de faire donc de valider ma transformation éventuellement, mais je peux surtout lui demander édition de faire de la déformation par exemple de la marionnette. Et quand je dis déformation de la marionnette, c'est vraiment un truc tout bête dans Photoshop. Je vais lui dire le centre ne bouge pas. Euh, les pointes, on va essayer de ne pas les mobiliser pour l'instant. Et une fois que j'ai attrapé tout ça, je peux attraper un coin. Je vais pouvoir lui dire qu'on va bouger un petit peu plus, un petit peu moins, dans le, dans le contexte de notre, de notre image. Et ça, cette déformation donc de la marionnette à partir d'un filet. Quand je valide, je fais entrer. Photoshop va recalculer pour moi, et il va recalculer pour moi, et du coup, il va me donner un petit peu des, il va me faire le, le calcul et le rendu directement. Mais cette déformation du... de la marionnette, elle est faite sur un objet dynamique. Elle est rentrée dans les filtres dynamiques. Je peux à tout moment l'annuler. Je peux à tout moment lui demander à nouveau de reprendre ma déformation de marionnette, et en reprenant la déformation de marionnette, eh bien, je vais retrouver les points qu'on venait de mettre en œuvre. Okay. Petit truc utile je pense. Euh, tout à l'heure j'ai réalisé un masque, là je n'ai pas extrait le masque en même temps que l'image. C'est pour ça qu'on a ce petit débord. Donc, je vais pouvoir lui dire commande ou CTRL Z pour la marionnette. Et je vais pouvoir lui demander en fait d'appliquer le masque à l'intérieur de cet objet là. Donc je peux attraper tout mon calque par exemple. Je peux lui demander de dupliquer le calque. Euh, oui, tu veux dupliquer le calque voilà. Et je peux lui demander en fait de prendre le fichier et le masque. Alors je ne vais pas forcément garder les filtres caméra RAW. Et je peux lui demander ici de les convertir en objet dynamique. Voilà. Et là cette fois-ci, j'ai un détourage avec uniquement l'image. On va virer le fond. Voilà. Avec juste euh, mon image. Et maintenant, quand je vais chercher par exemple les options de filtre sur la déformation de la marionnette, etc., je peux les prendre, les dupliquer, hop, et en ayant dupliqué mes contenus. Voilà. En ayant dupliqué mes, mes contenus, eh bien, je vois bien que cette fois-ci, j'ai accès à ma fleur uniquement. Et là si je fais la déformation de la marionnette, je vais aller glisser les filtres dynamiques du premier calque vers le second. Et bien en faisant la déformation de la marionnette, euh, il, cette fois-ci il va attraper donc, les différents calques et il, ne va, il va faire la déformation en incluant le, la problématique du, du masque de départ. Voilà, ici on a été un peu déplacé. Je peux lui dire qu'on va annuler cette déformation de la marionnette. Hop, on va supprimer, on va. Carrément jeter le filtre, voilà. Et on... cette fois-ci, quand j'en refais une, j'ai plus la problématique que j'avais tout à l'heure, qui consistait à avoir le bout de mon de ma marionnette dessus, tac. Voilà. Donc ça, c'est des trucs que je trouve extrêmement mignons, extrêmement euh... extrêmement pratiques, mais sur des cas, euh, sur certains cas précis. Ça vous va pour les gens qui avaient voté entre 0 et 50%, est-ce que vous avez l'impression de découvrir des nouveaux trucs Pour les gens qui avaient voté entre 50 et 100%, est-ce que ça vous va et ça vous donne suffisamment de billes pour aborder vos images plus tard Je vous ai promis une section graphisme, et du coup, euh, graphisme, attention, hein, pas de haute volée, on va pas aller très loin encore aujourd'hui. Euh, du coup, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire un masque, qu'on pouvait appliquer le masque à notre objet, à notre image. On l'a vu tout à l'heure que je pouvais appliquer un fichier en tant que masque sur, euh, sur une image et du coup eh bien je pourrais faire tout à fait la même chose pour conserver les couleurs de ma rosace je peux utiliser l'outil texte commande ou ctrl T et cette fois-ci je vais tout simplement faire un O et ce O commande ou ctrl T dessus tac on va l'agrandir avec la on va le mettre au centre de l'objet et on va l'agrandir avec la touche Alt voilà et en prenant la touche Alt du coup il va se faire directement au centre de notre objet et quand je vais sélectionner en fait mon ma lettre et utiliser la touche Alt entre la lettre et la couleur, et eh bien je vais recouvrir ma couleur avec ce truc là avec cette, euh, ce contenu. Charles n'avait pas voté mais il trouve ça intéressant de réviser les classiques. Merci. Encore des petites astuces utiles, merci à vous. Tout ça, c'est dynamique. Sous-entendu, si je trouve que mon O euh, aurait mérité d'être un 0, si je trouve que mon O aurait mérité d'être un... Alors on va aller chercher... Tac si je tape... Allez non, je ne l'ai pas dans le système. J'aimerais bien avoir une lettre avec un O barré, façon langue nordique, je sais pas laquelle, je vais pas vous dire de bêtises. Je vais lui demander dans le texte d'avoir accès aux panneaux et aux panneaux de glyphes, par exemple. Et je vais pouvoir lui demander de rechercher là-dedans. On va regarder les différentes variantes autour du haut. Alors là, je n'ai pas forcément de variante directe. Par contre, je dois avoir sur une typo comme ça, des tas de petites variantes mignonnes. Hop. Et donc, je peux aller chercher tous les diacritiques qui m'intéressent ici. Et j'étais persuadé de trouver un haut barré. Mais ne le trouvant pas, hop, on va le remplacer par des petites flèches de recyclage dans un sens ou dans l'autre ça c'est ce sera à vous de voir la plus adaptée et vous voyez que ça c'est directement inclus et prévu dans la fonte donc euh, c'est des petits trucs qui changent la vie qui changent peut-être plus le quotidien que qu'autre chose et qui nous permettent de travailler toujours centré sur notre sur notre image Des astuces, des choses que vous, dont vous ne vous souveniez plus. Très bien. Bah écoutez, je suis ravi que ça vous plaise tout ça. Tac. Voilà, on va remettre nos petites images en arrière-plan. Je vais virer celle-ci qui m'intéresse moins. Je vais déplacer mon objet. Et je vais vous montrer une astuce, un truc auquel on pense pas forcément. Mais euh, dans Photoshop, euh, vous, si je manipule un calque et que je manipule pas la forme en dessous, je peux faire majuscule clic pour manipuler les deux calques en même temps et du coup, je vais bien attraper l'un et l'autre. Et si je veux pas avoir à le faire en permanence, je peux sélectionner mes deux calques, clic et commande clic et je peux lui demander de faire un clic droit dessus et je peux lui demander de lier les calques. Là, je vais avoir la petite icône avec les deux petites chaînettes, les deux petits cadenas et maintenant, j'ai plus besoin en fait de sélectionner l'un et l'autre. Je peux attraper n'importe lequel des deux et il va bien entendu suivre son petit camarade. Ok Je termine avec, par exemple, des effets dessus. Est-ce que je veux une petite ombre portée, un truc un petit peu plus marqué A moi de choisir. Là, c'est vrai qu'on était relativement violent en termes de, de couleurs. Et voilà comment je vais euh, retravailler sur mes images. Sur mes textes, pardon. Photoshop est tellement riche en options qu'on s'y perd un peu, me dit Thierry. C'est vrai, on va essayer de moins se perdre, on va essayer de trouver des trucs euh, utilisables. Fin de week-end, j'ai recyclé du coup cette image. Euh, un petit truc qui peut être utile pour vous. Je je sais pas si ça va pas être forcément très lisible. Euh... <laughs> on va dézoomer puis on va s'approcher. Voilà. On va le faire comme ça. Euh, premier truc, dans Photoshop, si je survole un calque et que je fais clic droit dessus ou contrôle clic, je vais voir mon calque et je vais voir les différents calques liés, etc. Ai, D'ailleurs, je pourrais séparer mes deux calques. Ensuite, si je le déplace de droite à gauche, vous voyez cette fois-ci, comme j'ai zoomé, on voit, on voit bien, euh, je peux caler les deux objets, l'objet texte et le calque avec l'ombre, sur un autre objet. Donc soit sur l'extérieur du week-end, soit tout simplement sur le centre du week-end. Et je m'embête pas à aller plus loin. Je n'ai pas forcément besoin d'aller chercher, d'aller gratter euh, plus d'infos dessus, plus de, plus de calage. Là, j'ai vraiment directement ce qui, me, ce qui me manque ici. Et là, je l'ai avec des infos en pixels. L'autre truc qui, qui va servir aux gens qui veulent tâter un petit peu du, du graphisme, c'est que par exemple, sur le texte qui a bien une ombre portée, je peux lui demander d'aller regarder les effets qui sont proposés. Je vais lui dire Ok, on va faire peut-être un, une autre ombre portée on va voir les options de fusion. Et en prenant cette autre ombre portée qu'on avait masquée tout à l'heure ou qu'on a gardée là, je peux lui demander de baisser la taille de l'ombre portée et je vais pouvoir décaler l'ombre en question. Donc on a bien notre petite ombre d'incrustation. On a maintenant une ombre beaucoup plus dure, beaucoup plus nette. Euh, je peux lui dire que on va mettre un contour sur notre texte. Idéalement, le contour en question on va lui donner la même couleur, la même absence de couleur pour le coup. Hop, on est bien. Et si je veux continuer comme ça, eh bien, je peux lui dire OK, on va prendre une nouvelle ombre portée. Et cette nouvelle ombre portée, V. Est-ce que j'ai validé Non, j'ai pas validé. Donc c'est tout simplement FX ombre portée. La deuxième plus nette. La taille, c'est pas la taille de l'ombre en tant que telle, c'est vraiment la, le nombre de pixels sur lequel elle va déborder. Hop. Voilà un petit peu le petit euh, petit bout de réglage qui va bien là-dedans. Donc avant l'ombre interne, après l'ombre interne, et je peux même lui demander dans les petits effets en double cliquant sur le nom des effets pourquoi pas de rajouter un petit, alors non pas un biseautage et en contour, mais une incrustation de contour, voilà, qui est là, et du coup je vais pouvoir réutiliser, pareil que d'habitude, donc la disposition, la couleur, le travail sur l'ensemble. Photoshop c'est riche, moi j'ai commencé par PowerPoint, ouais mais bon, on fait des trucs avec PowerPoint, mais euh, c'est vrai que si on veut faire des belles images, on aura plus de chance avec Photoshop qu'avec PowerPoint. OK pour vous OK. Je vais vous continuer de vous donner une petite astuce graphisme. Donc là, on a vu qu'on pouvait aller chercher des typos, qu'on pouvait les remplacer, les poser directement. Euh, je vais vous donner un petit peu le, le making of de ce que j'ai, ce sur quoi j'ai travaillé euh, ces derniers temps. Euh, on a réalisé, donc on, euh, il y aura le festival Motion Motion pour ceux qui sont à Nantes la semaine prochaine, qui donnait en fait, un, qui faisait un appel à candidature sur ce qu'ils appellent le keyframe. C'est une série d'écrans qui sont posés comme ça en diagonale, euh, tout en haut d'un mur, euh, enfin tout. Dans, dans le grand bâtiment des machines de Lille à Nantes. Et si vous allez sur Motion Motion Festival, donc qui a lieu les 13, 14 et 15, euh, je vais vous, donner, vous montrer deux secondes la petite, euh, la petite animation. Est-ce que vous étiez là, les uns et les autres, hein, lors de la session par, euh, qui a été donnée par euh, Martine et Mel Poiret, il y a quelques semaines maintenant elle a expliqué en fait comment elle avait réalisé tout ça, par quel biais, sous quelle, sous quelle forme, et euh, notamment donc sur le festival Motion Motion, où il se passe quand même pas mal de choses, où on a beaucoup de couleurs, etc. etc. il y avait cette fameuse keyframe que j'aimais bien, j'aimais beaucoup le rendu, euh... non ça c'est pour les awards, voilà. et le rendu de la keyframe en fait c'est un écran, qui va être présent en permanence pendant le festival et que vous allez pouvoir admirer. Et pour travailler sur la keyframe, ils ont fait un appel, une participation à l'œuvre keyframe, justement. Et donc, ils ont fait un appel au public. Et moi, j'étais allé chercher cette petite image-là parce que je la trouvais assez cool. Euh, mais euh, pour le coup, je ne me suis pas forcément renseigné sur qui étaient les, les photographes qui avaient travaillé dessus. Je n'avais pas réussi à remettre la, la main dessus. Et euh, du coup, euh, bah, je ne peux pas vraiment diffuser cette image-là. Donc je vais vous montrer, moi, comment je vais retravailler pour intégrer une petite, un petit bout de vidéo en, en mode graphisme dans une image euh, et pouvoir faire le même type de rendu écran. Et donc, on va aller chercher une autre image. On va aller chercher une image Adobe Stock. Donc ça, vous y avez accès dans vos bibliothèques. Est-ce que, est que ça parle à tout le monde Adobe Stock stock.adobe.com. Vous, lorsque vous êtes dans Photoshop ou dans Illustrator ou dans InDesign, vous avez accès à tout un tas de petites euh, bibliothèques. La première fois que vous y allez, il n'y a rien dedans, c'est vide. Et vous pouvez lui demander d'aller rechercher des choses, soit dans votre bibliothèque, par exemple je veux trouver un œil, euh, Est-ce que j'ai des yeux Hop, Alt E, j'ai un œil qui est dispo là. Euh, je peux ranger des éléments graphiques, je peux ranger des éléments photo. Par exemple, si je cherche Camembert, et je vais chercher dans toutes mes bibliothèques, je vais retrouver à la fois du Camembert de graphisme, mais aussi du Camembert de table. Donc ce sera vraiment à moi de bien nommer ces éléments pour les retrouver le plus facilement possible et le plus efficacement. Mais quand je vais chercher, donc, allez, on reste sur le Camembert pour l'instant, parce que ça me fait rire. Voilà. Quand je vais chercher cet élément-là et que je vais le chercher non pas dans la bibliothèque mais directement dans Adobe Stock, là je vais avoir accès à plein d'autres images. Okay Ici on va plutôt chercher un immeuble Oups. pour pouvoir intégrer notre, euh, notre écran keyframe. Est-ce que je vais trouver un chouette immeuble sur lequel l'intégrer Je ne suis pas sûr. Je vais rajouter un critère losange. Alors j'ai des losanges ici. Je promets rien, hein. je n'ai pas fait la recherche spécifique là-dessus. On aura des contenus plus ou moins utiles. Et je peux aller voir plus de résultats sur le web, ce qui m'enverra sur la partie filtrée. D'Adobe Stock. Là, il me dit qu'il y en a 1820. J'en avais très clairement pas regardé 1820. Ça tombe bien. On va essayer de se faire un petit peu aider. Voilà. Regardez ça. Si c'est pas magique, je peux prendre cette image-là. Je la trouve vraiment cool. Il s'agit d'un détail d'un mur d'une église romane à Sant'Agata, Florence, en Italie. Eh bien vu que pour travailler sur le contenu de Motion Motion, j'avais besoin d'une image, je vais pouvoir reprendre ce truc là. Je vais lui demander donc de télécharger l'aperçu. Et si je sais que c'est quelque chose qui me plaît bien sur cette image, je vais lui dire que je vais l'enregistrer dans la bibliothèque. Là il me la met dans ma bibliothèque Ask Pro je vais dire ok, mais va me le poser plutôt dans une bibliothèque dédiée à Photoshop. On sera pas mal dessus, Ask Photoshop, je vais la mettre dans cette, dans cette bibliothèque là et je vais vous donner un petit détail qui me qui moi m'est utile alors thierry ça sert à quoi exactement je veux bien une vraie question est ce que c'est adobe stock est ce que c'est le ce qu'on est ce qu'on va faire bientôt c'est à dire intégrer de la même manière que je voulais présenter ici sur mon sur mon projet Hop. on va se remettre sur mon insta voilà voilà. Euh, ici, j'ai intégré à partir d'une photo existante. Je vais faire la même chose et je vais vous montrer comment on gère les déformations. OK? de Stock, moi il me permet de chercher les images et je vous montre aussi un petit truc que j'utilise beaucoup alors je vous ai déjà montré avec le, le filtre par exemple je peux choisir si je veux une photo je peux choisir le prix je peux choisir est- ce que c'est du contenu qui a jamais été utilisé je peux lui demander de garder des éléments de texte enfin des éléments pour avoir de la place pour mettre du texte je peux gérer les profondeurs de champ c'est à dire que je peux avoir un élément net et le reste qui est flou qui est super pratique pour pouvoir poser des euh, pour pouvoir poser dessus du contenu de body copy sur le fond d'une image sans avoir à se poser de trop de questions. Je peux choisir est-ce qu'on va avoir des couleurs vives ou des choses qui sont plutôt pastels, euh, etc., etc. Vous avez énormément de petits critères qui vont bien et que vous allez pouvoir choisir. Et moi, il y a un truc que j'utilise mais tout le temps à l'intérieur de stock. Alors vous le savez, vous l'avez peut-être remarqué. Quand je réalise par exemple une euh, une vignette pour les vidéos euh, comme celle qui est euh, ici sur mon arrière-plan, eh bien, je peux, je vais lui demander de l'utiliser. Pour la version horizontale, la vignette, mais aussi pour la version story sur Instagram. Eh bien là, je lui demande de faire l'aperçu du recadrage. Et là, je peux lui dire, ben, montre-moi si ça rendrait bien sur Instagram comme ça, peut-être en grossissant le contenu. Ah ouais, c'est pas mal. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce que ça donne à l'horizontale Pareil. Est-ce que je suis à 100 ou est-ce qu'au contraire on va avoir un, une partie du, du contenu, etc., etc. Il y a vraiment pas mal de choses. Je peux, euh personnalisé du coup je peux lui donner un rapport spécial donc, par exemple 1 pour 6 parce que j'ai ce besoin là une bannière un kakemono et vous avez envie de tester votre image vous n'avez pas envie d'acheter une image que vous pourrez pas utiliser par la suite donc voilà comment on va pouvoir le, le mettre en place ça c'est vraiment un truc que j'utilise mais tout le temps tout le temps je c'est pas du bluff pour le coup on est vraiment à fond dedans et maintenant je vais retourner sur ma bibliothèque, je vais prendre la dernière bibliothèque Illustrator et euh, enfin Photoshop pardon. je vais ranger les images non pas par groupe mais par type d'image ce qui fait que tout en haut de mes photos normalement je devrais revoir le fameux petit mur qui est là et donc je vais prendre ce mur et en prenant ce mur je vais travailler sur le keyframe et le keyframe, par exemple, ça pourrait être, pour vous, un poster, tout simplement, où vous souhaitez intégrer. Mais là, on va voir justement comment on fait ce mélange entre deux images pour faire des éléments un petit peu plus graphiques. Et donc, moi, je vais aller chercher le, dans le dossier en question, hop, le keyframe qui est là. Je l'ai réalisé au format GIF animé. Comme ça, il se déplace, il change de, de forme. Et vous l'avez vu, sur la photo que je vous ai donnée sur Instagram, on est sur un format vertical, avec une image qui. Euh, une, avec une diagonale sur notre écran carré. On va devoir lui faire la même chose ici. Je vais tout simplement prendre mon image et la glisser sur le bureau, sur, le, sur la photo d'avant. Et une fois que j'ai fait ça, je peux placer mon image. J'ai quelques réglages de déformation dans Photoshop. Donc je vais pouvoir lui dire, par exemple, j'aimerais bien que en termes de taille, on soit un petit peu plus petit. Hop, je peux lui demander d'être plus petit. Et je peux régler directement l'angle, et j'aimerais bien en fait que pour mon image, on soit non pas à 0.20, mais peut-être beaucoup plus marqué. Tac, on va le mettre à 45 degrés. Et là, je vais commencer à travailler dessus un truc pour les anciens de Photoshop. J'espère que vous l'aviez vu passer quand même. C'est quand on est dans le travail des calques par exemple. Ici, je peux alors que je suis en sélection changer le mode de fusion de mon calque. Et ça, c'est pas tout neuf, c'est plus tout neuf, mais pour moi c'est hyper précieux parce que je m'en sers mais tout le temps tout le temps. Hop, on diminue un peu l'épaisseur. Et là, je me rends compte quand je fais ça que je vais peut-être M'en sortir exactement comme il faudrait parce que ben j'ai pas, et là j'avais mis 45 degrés, mais en fait c'est peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. Et quand bien même j'arriverai à mes fins, je me rends compte que je vais pas exactement là où je veux. Donc je vais utiliser la touche commande pour pouvoir déformer le keyframe en question. Hop. On va le mettre ici, on va le mettre là. Hop. Je valide ma transformation. Et là j'étais en mode produit, je peux le remettre en mode normal. Et en mode normal, vous allez me dire, est-ce est que c'est vraiment une animation, Franck Regardez, indice, j'ai la première image de mon animation. Et si j'ai la première image de mon animation, je vais travailler, donc comme tout à l'heure, on est allé chercher le mode des indispensables. Là, l'animation, c'est du mouvement. Donc je lui ai demandé de passer en mode mouvement. Et en passant en mode mouvement, et eh bien je vais, euh, je vais retrouver directement le petit panneau de montage qui est ici. Et avec ce panneau de montage, en cliquant créer un montage vidéo, alors vérifiez bien, il y a deux règles ici, il y a deux usages, soit image par image, soit vidéo. Et quand je prends créer un, un contenu vidéo, eh bien vous allez voir qu'il va m'intégrer directement le petit, la petite animation que j'avais préparée pour lui. Hop lecture. Alors, pourquoi est-ce que tu es fâché, Photoshop Est-ce que lire un GIF animé, c'est plus suffisant, c'est plus dans tes cordes Bon, c'est bizarre. Et pourtant, quand je regarde mon image, je suis bien à l'intérieur et j'ai bien l'animation qui est prête. À être utilisé. C'est pas très grave. C'est pas très grave parce que ce qu'on va faire, en fait, là-dessus, alors tant pis s'il si refuse de me lire l'animation en tant que telle, c'est dommage. Mais je vais lui dire, en réalité, c'était pas cette animation-là que je voulais, c'était un autre fichier. Et eh bien je vais faire un clic droit dessus. Alors, attention, comme d'habitude, vous avez remarqué, un hein, clic droit sur la vignette, on travaille sur la vignette, la couleur, etc. Si je lui demande un clic droit sur cette partie-là du bloc, clic droit, là, j'ai accès à tout le travail dessus. Et par exemple, je vais pouvoir lui demander de remplacer le contenu de ce calque-là. Et je vais le remplacer par quoi bah, Vous vous en doutez bien Par un autre élément de la fameuse keyframe. Et euh, je vais prendre un élément carré euh, qui va, je l'espère, fonctionner un petit peu mieux. Je vais prendre celui-ci. Ouais, celui-là est pas mal. Je lui dis OK, je l'intègre. Et le truc, c'est que j'ai remplacé mon précédent fichier par le nouveau. Et quand je place mon contenu... Voilà. Là, j'ai bien mon animation qui se joue. Alors, moins une image, et je ne sais pas pourquoi. Yeah. Non, c'est bon. C'était juste une question de mise en cache de l'animation. Et maintenant, je peux lui demander, par exemple, là-dessus sur le, le panneau montage, vous avez ce que moi j'appelle les menus hamburgers, des piles, des piles de sandwich, et vous allez pouvoir lui demander de le lire en boucle. Et là, je me retrouve sur la même animation que ce qu'on avait commencé à mettre en place tout à l'heure. Alors, évidemment, j'aimais bien avoir l'intégration de mon mur. Donc, je vais pouvoir lui demander, et ça c'est une des merveilles de Photoshop, je peux tout à fait prendre ma baguette magique. Et attraper les couleurs, donc attraper le noir dedans. Éventuellement, je peux lui demander de développer, de masquer un petit peu mieux. Mais j'ai tout simplement ici cliqué sur l'option du masque. Commande I pour inverser les deux. Et là, j'ai bien mon keyframe qui va fonctionner dessus. Mais quand je regarde ça, j'avoue. Enfin, hein, je sais pas vous, mais euh, moi, je suis un petit peu chafouin parce que euh, en cherchant, j'arrive pas à trouver le, le truc qui va bien là-dedans. Et notamment. Euh, le côté, c'est pas un écran, c'est juste une animation à plat, ne me convient pas. Donc on va aller fabriquer un écran. Fabriquer un écran, si je prends... Alors ce fichier là, c'est du 1080 sur 1080. Je vais me créer un nouveau fichier exprès pour ça. Donc euh, est-ce que j'ai des contenus, illustrations peut-être, en termes de taille, web partir sur ça, mais je vais bien lui mettre du 1080 ici. Et je vais faire, en fait, dans Photoshop, un, je vais essayer de conserver l'idée d'avoir un écran qui, qui va jouer sur, le, sur le, le côté du keyframe. Et donc, il va falloir que je remplace mon carré, que je lui mette un aspect écran. Et donc ça, je vais le faire sur ce calque-là. Et sur ce calque-là, je vais lui demander de créer un calque, un calque de motif. Et le calque de motif, alors je ne vais pas lui mettre des feuilles, parce qu'il y a des très, jolis, euh, des très jolis petits contenus comme ça, mais je vais aller chercher ce motif là, que j'aime bien. Ce motif là, si je le regarde à 50%, on ne voit pas trop, mais si je le regarde en zoomant un petit peu, ça va faire un vieux moiré sur la réduction de l'écran. Vous ne voyez pas trop. J'espère que vous allez mieux le voir là maintenant. Et. Euh, et ça, ça va me donner déjà mon... ça va me donner le, le rendu de mon calque. Alors, double-clic, je vais le mettre à 200%. Parce que je trouve ça plus sympa. Hop. Donc j'ai mes premières séries de lignes. Je vais double, Je vais commande J doubler dupliquer mon calque. Je reclique dessus. Et ça, c'est une fonction qui est arrivée il y a quelques temps, mais qui est géniale et qui avait été demandée depuis tellement longtemps. C'est tout simplement de pouvoir tourner. Les, des éléments. Et là, vous voyez que j'ai des lignes verticales et des lignes horizontales. Et bien, maintenant, je vais zoomer encore un petit peu pour que le, vous les voyez bien. Je vais pouvoir changer de mode de fusion, par exemple, le mettre en mode produit. Et là, je commence à avoir une intégration qui ressemble plus à ce qu'on aurait fait sur un écran. Et ça, je vais du coup prendre les deux. Et je vais tout simplement baisser leur opacité parce que c'est pas nécessaire d'être aussi fort, aussi chargé là-dessus. Voilà. Ça, je vais l'enregistrer plutôt sur mon ordinateur. Et en enregistrant sur mon ordinateur, je vais l'appeler tout simplement écran grille motif. Ça va faire très mal aux yeux aux gens qui regardent la session en tout petit. Je lui dis OK. Et je vais venir ici, sur mon keyframe. Et vous vous rappelez ce que je vous avais dit tout à l'heure quand, euh, quand on avait travaillé sur l'image, je vous avais dit je peux dupliquer l'élément, et je peux remplacer par ce que je veux, mais je peux aussi lui demander, clic droit dessus, de dupliquer en faisant un nouvel objet dynamique par copier. C'est ce que je vais faire ici. Et maintenant, ce contenu-là, clic droit sur le contenu, je peux lui demander de remplacer le contenu. Cette fois-ci, je vais sur le fichier, écran gris, motif, PSD, et je vais l'importer. Et là, vous allez voir qu'en fait, il suit réellement le sens que je lui avais donné dans le fichier, euh, dans le fichier de départ. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire des, des petits réglages. Donc par exemple, mettre tout ce petit monde en produit. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien wow, Il y aura arbitrage, il y aura moyen de choisir par la, par la suite. Euh, si je trouve que j'ai besoin de faire des modifications sur l'épaisseur des lignes, et eh bien c'est un objet dynamique. Et qui dit objet dynamique, dit tac, double clic dessus, je retourne sur par exemple mon, mon masque, et je lui dis qu'on va être plutôt à 400%. Tac, pareil ici, 400. Et là, je sauvegarde, et quand je reviens ici, j'ai bien ma sauvegarde qui a été prise en compte. Et non seulement j'ai ma sauvegarde qui a été prise en compte, je suis bien en mode produit, je vais regarder le mode incrustation, c'est pas mal non plus. Hop. Et quand j'aurai fait ça, eh bien je peux lui demander tout simplement de jouer mon animation parce que ça continue de fonctionner. Et ça c'est trop bien. Ça vous va ça Donc là je l'ai mis en super peut-être que l'incrustation est mieux. Tac, à moi de trouver le bon mode pour pouvoir conserver tout ça. Cette fonction est top, avant c'était galère de refaire le process. Ouais, mais euh, figurez-vous que ça fait un certain temps que c'est déjà comme ça à l'intérieur de Photoshop. Et le truc c'est que si jamais vous venez et que vous me donnez une animation au format carré, euh, typiquement un sticker euh, GIF animé, etc., et que vous voulez l'utiliser, eh bien vous allez pouvoir réutiliser et reprendre ce contenu et, le, et tout simplement le changer. Et si vous vous dites oui mais j'ai foiré un petit peu le, la transformation, vous regardez Commande ou contrôle t et vous allez pouvoir changer l'ordre, changer la forme, l'essence de toute votre animation, de tous vos fichiers directement. Voilà, c'était des choses plutôt simples, plutôt en mode base de Photoshop, avec des reprises des process. J'espère que ça vous aura servi, j'espère que, euh, euh, que vous aurez un petit peu plus les clés pour pouvoir bosser sur vos propres fichiers. Merci beaucoup de m'avoir suivi, on se retrouve donc demain. Avec Stéphane Baril. Stéphane nous emmènera dans les méandres des bibliothèques Creative Cloud pour les chartes dynamiques. Euh, qui dit chartes dynamiques dit justement un dit justement un travail sur l'identité visuelle, mais aussi euh, les librairies Creative Cloud. Et euh, pour le reste, on se retrouvera normalement toute la semaine prochaine avec des petites surprises. Allez. A très bientôt, bonne fin de journée, merci à tous, bye bye